vous allez bien. On se retrouve pour ce petit rendez-vous mensuel où on va parler des livres donc à paraître durant ce mois de mars. Comme d'habitude, je vais vous lire principalement les résumés vu que voilà, je ne les ai pas lus, vous vous en doutez. Mais voilà, c'est une petite sélection toujours des livres qui sont susceptibles de m'intéresser, mais également de vous intéresser parce que certains, voilà, ils ne me botent pas plus que ça, mais je sais, vu les titres, les auteurs, etc., qu'ils sont attendus, qu'ils vont trouver leur public, donc je vous les mets au passage aussi. Et comme d'habitude, on va attaquer avec le premier livre et le premier résumé. Le premier livre que j'ai sélectionné, c'est Runborn. Du coup, le tome 1, c'est Tyr. Hop, comme d'habitude, petite couverture pour que vous puissiez suivre en même temps parce que je suis sur mon PC ici à côté. C'est le nouvel, du coup, Ariel Holmes. Je ne sais jamais comment prononcer le nom de cet auteur, mais je pense que ça va vous identifier un minimum de qui je parle. Et ce livre, du coup, est sorti le 1er mars. Alors, on nous dit pour le résumé, « Né d'une marque d'une rune, Tyr est un Runborn. » Mais 2 siècles après le Ragnarok, les dieux nordiques ont été oubliés et le jeune homme ignore tout de son héritage. Lors d'un rite de passage organisé par la prêtresse de son village, Tyr découvre qu'il est, comme ses amis El et Bragi, le maillon d'une chaîne forgée bien avant sa naissance, car il est porteur de pouvoir d'une divinité. Ils doivent réunir les 24 runes dispersées dans le monde pour redonner vie aux dieux. Il leur faudra pour cela convaincre les Runborn ou s'approprier leurs runes par la force. Face au chemin pavé de sang qui s'impose à eux, Tyr et ses compagnons sacrifieront-ils ce qu'ils sont pour accomplir leur mission sacrée ? C'est un livre que j'ai beaucoup vu passer sur d'autres chaînes, des gens qui l'ont déjà lu quand ils l'ont reçu en SP ou des trucs comme ça. Et pour l'instant, les retours sont assez bons dessus. Clairement, ce qui retient l'attention, c'est le petit côté dieu nordique. Ça fait un petit moment qu'on n'en voyait plus trop, je trouve, dans la littérature young adulte, jeunesse ou ces choses-là. Et c'est toujours un sujet, je trouve, qui marche un petit peu. Je ne vais pas forcément l'ajouter, moi, à ma wishlist, mais comme je vous disais avant, je pense qu'ils vont rencontrer facilement un public qui attend ça continuellement. Les dieux nordiques, voilà, c'est toujours un petit peu, un petit peu de mystère, de secret, ou un truc qu'on a facilement envie de s'informer dessus aussi. Et c'est souvent un univers un peu justement froid, rude, etc. Donc ça a l'air de bien matcher avec le caractère des personnages et la quête qu'ils vont devoir ici accomplir. Si j'ai pas de bêtises, je pense que c'est de la fantasy, du coup, young adult. Et voilà, il y a un petit côté esprit viking qui va un peu quitter la littérature, qui s'était plus mis dans les séries, etc. Et qui du coup, ici revient sous forme de bouquin aussi. Et clairement, les vikings, ça fait aussi son petit effet les 3/4 du temps. Donc voilà, donc à titre informatif, Runborn, le tome 1, est donc sorti le 1er mars. Le 1er mars également est sorti ce livre, donc il s'agit de Luminaris, le tome 1, donc c'est l'épreuve des 7 clans, qui est écrit par Suzanne Denard et je ne sais plus chez qui c'est publié, je pense que chez La Martinière. C'est un livre pareil que j'ai vu passer chez beaucoup de chaînes où il y a quand même eu pas mal de com, de pubs dessus et où je vous avoue que c'est cette couverture qui du coup m'a quand même interpellée avec le petit centre là, on va pas se mentir. Et du coup voilà, je me suis un peu penchée sur le résumé-ci que je vais vous lire ici de suite et qui nous dit « La ville d'Hemlock Falls est unique en son genre. Elle n'apparaît sur aucune carte et la forêt qui l'entoure est peuplée de monstres qui tentent de s'en échapper à la moindre occasion. Heureusement, les Luminaris veillent. » Winnie Wednesday, 16 ans, n'a qu'un objectif, rejoindre les rangs de ces chasseurs d'élite chargés de protéger la ville et l'humanité tout entière des créatures de la forêt. Pour cela, la jeune fille doit absolument réussir les 3 épreuves initiatiques organisées dans les bois, et si elle veut survivre, il lui faudra l'aide du chasseur le plus prometteur de sa génération, Jay Friday, qui n'est autre que son ex-meilleur ami. Et rapidement, les complices vont découvrir que dans les bois, les monstres ne sont pas toujours ce que l'on croit. J'avoue que à la première lecture de ce résumé, j'étais un petit peu interpellée quand même sur les noms de famille, donc de mercredi, de vendredi, etc.
Voilà, il doit avoir une raison qui va sûrement être livrée dans le livre, mais ça m'a un peu surpris. Et sinon, pour le reste, forcément, ce qui a retenu mon attention, c'est le petit côté monstre. Voilà, je sais pas, le truc un peu autour du bois. Voilà, de savoir un peu enfin, quel genre de monstres les habitent, quels seraient leurs pouvoirs par exemple, est-ce que c'est vraiment des monstres, est-ce qu'il y a des hommes qui se cachent un petit peu derrière ou une organisation, ce genre de choses. Jusque-là, voilà, c'est pas non plus un truc qu'on n'a jamais vu, hein, qu'on soit clair, mais pareil, qui se laisse lire assez facilement. Mais par contre, on nous parle d'épreuves et clairement, pareil, il y a un public monstrueux, voilà, qui aime lire des épreuves et je suis une des premières concernées, donc je vais clairement pas cracher là-dessus. Ce côté mélange d'épreuves, de monstres, c'est un truc qui a l'air assez sombre aussi, comme je disais pour le livre précédent. Je sais pas, pour l'instant il me botte bien, je l'ai ajouté à ma wishlist. Mais à côté de ça, j'attends plus de retours, de voir un petit peu les cotes, etc., pour voir vraiment s'il vaut le coup. Parce que autant ça peut être un très bon livre, autant ça peut clairement être un de... C'est le livre, voilà, genre il était bien, mais c'était chouette le temps de lecture, mais sans plus. Parce que voilà, c'est des thèmes qu'on voit très 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 souvent. Donc à voir quelle sera vraiment sa patte, sa particularité ou quoi. Et pour ça, clairement, je vais pas, enfin, je l'ai pas acheté à sa sortie, je l'ai pas précommandé. Et j'attends plus de retours pour voir si voilà, il va pouvoir être un peu plus spécifique, un peu plus unique que les livres qu'on peut trouver dans ce genre-là. Donc à voir pour les retours qu'il y aura dessus, de voir si elle intégrera un jour sa bibliothèque ou si je le retirerai à long terme de la wishlist. Toujours le 1er mars, c'est un livre qui va voilà, un peu changer des habitudes. Clairement, c'est pas le genre de livre que je vais lire à tout va. Il s'agit de celui-ci, donc c'est La psychologie selon Kaamelott, qui est également sorti le 1er mars. Et je pense que je l'ai déjà dit sur BookTube aussi, mais j'ai un doute en fait. Je suis une grande, grande, grande fan de Kaamelott. Franchement, je pense clairement que c'est une de mes deux séries préférées avec Desperate Housewives. Mais voilà, je trouve que Kaamelott, c'est du génie à l'état pur. Vraiment, je voue un culte à Alexandre Astier pour ce qu'il a fait. Je vous l'ai déjà dit aussi, ça je suis sûre, que la psychologie, clairement, j'aime bien. C'est un sujet dont j'aime clairement continuer à chaque fois à m'instruire dessus, enfin ce genre de choses. Et donc un mix des deux, clairement, je me suis dit, toi, t'arrives direct dans la wishlist. Mais je sais pas dire du tout quand est-ce que je prendrai le temps de le lire, parce que ça doit être un essai à mon avis. Donc pour ce qui est du résumé, il nous dit « Un psychologue s'invite à la table ronde. Derrière une façade humoristique assumée, la série culte d'Alexandre Astier regorge de références psychologiques plus ou moins faciles à décrypter. Arthur et son syndrome de l'imposteur, Perceval l'absurde, heureusement, Jean-François Marnion prend le temps d'analyser chaque personnage en discutant avec lui pour comprendre les ressorts, même cachés, de sa personnalité. » Une séance d'introspection enrichissante qui confirme la profondeur d'écriture d'Alexandre Astier. Comme si on veut encore le confirmer. Vraiment, je lui vois un culte, je vous jure. Jean-François Marnion, psychologue et auteur de La psychologie selon Star Wars, La psychologie selon Squid Game ou encore La psychologie selon Harry Potter, qui était déjà dans ma wishlist aussi, que je n'ai toujours pas pris le temps de lire, signe ici un pastiche délicieusement maîtrisé, qui décrypte les mécanismes psychologiques présents dans l'œuvre d'Alexandre Astier, tout en lui rendant hommage. Je pense que ça va être un récit qui est... Enfin, un récit. Un essai, en tout cas, qui est très intelligent, voilà, très bien construit, la réflexion est poussée, je pense que c'est le but. Donc clairement, je pense que j'apprécierai cette lecture. Franchement, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je lirai. Ça peut être dans un mois sur un coup de tête, comme dans 10 ans, clairement. Mais clairement, c'est un livre, voilà, que je vais pas lire d'une traite dans tous les cas.
et que je pourrais lire encore dans 10 ans, 15 ans, que voilà, j'en serais toujours aussi heureux, je pense. Donc voilà, donc en tout cas, il a intégré ma wishlist, il ne va pas en sortir, et je suis assez intriguée par ce livre, mais aussi la collection, donc je te dis, elle est sur Harry Potter, sur Star Wars, c'est pas mon truc, mais enfin voilà. J'aime beaucoup, j'aime juste beaucoup ce concept-là, et du coup, je lirai ça avec plaisir, même si ça change clairement de mes habitudes. Un autre livre qui clairement va intégrer ma pile à lire, ça c'est sûr, c'est certain. J'aurais même pu, je pense, l'intégrer à la wishlist que j'ai fait dans les vidéos précédentes des 10 livres qui me font le plus envie. Boum, il s'intercale. Et en fait, je ne l'ai pas mis parce que je ne l'avais pas encore repéré à ce moment-là. C'est une nouvelle sortie donc des éditions Plume Blanche. Hop là, c'est La Voix de la Vengeance, et c'est du coup écrit par Sacha Morage, et il me fait trop envie, je vous jure. Lui, j'ai déjà dit pareil à Margot de Délivre Plein Yeux, mais enfin d'autres personnes aussi, mais j'ai plus en tête, enfin plusieurs personnes de mon entourage, que clairement j'allais l'intégrer dans ma bibliothèque pour le prochain Pumpkin. Alors je sais que je tourne cette vidéo en mars et que je vous parle du coup d'un challenge qui a lieu du coup à l'automne, hein. C'est mon fonctionnement normal, ne vous inquiétez pas, ne vous enfouillez pas. Mais voilà, où vraiment je pense que ça va être pile poil dans l'ambiance que je voudrais être à ce moment là et je vais quand même vous lire le résumé avant du coup de l'oblater, qui nous dit: Vaël a tout perdu. Son frère d'abord, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Yervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère, quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Yervin l'entraîne de plus en plus loin, dans des sacrifices de plus en plus sanglants et dans des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Ah, ça a l'air... je m'en délecte déjà. Toujours un peu dans la même... Je le rabâche, je pense, chaque mois, désolée. Mais depuis La Guilde des Ombres, j'ai envie de ce côté un peu plus... sanglant, noir, obscur, vraiment dur, etc. Et voilà, c'est publié chez la même maison d'édition, donc maintenant Plume Blanche, clairement, je leur fais confiance. Et donc je suis très curieuse de découvrir ce récit. Il est sorti du coup le 5 mars, et donc je n'ai pas encore vu beaucoup de retours, pas forcément au moment où je tourne cette vidéo. Mais je croise vraiment les doigts pour que les retours soient très bons dessus, parce que je trouve qu'il est très prometteur. Parce qu'on sent qu'il va avoir beaucoup de armes, de rage, etc. sur cette question de vengeance, mais ça va être beaucoup plus complexe à mon avis que ça aussi. J'ai hâte de découvrir cette héroïne aussi, Vaël, et puis on verra ce que ça donne. J'ai super hâte de le lire, même si je sais que je vais pas le lire tout de suite. Mais bon. Le 7 mars également est sorti donc ce livre en français, donc ici c'est Kings of Avalier, le tome 1, The Last Dragon King, avec mon super accent de ça. je pense qu'ils ont gardé le même titre en français, je ne pense pas qu'ils ont traduit le titre, en tout cas pas de ce que j'ai vu ici. Surtout que pareil, je ne l'ai pas encore trouvé en version papier, donc je pense qu'il sort en français que sur liseuse en e-book. Je dis peut-être des bêtises, hein, mais les recherches que j'ai faites pour l'instant, ça donnait ça. Si je me trompe, franchement, tant mieux. Parce qu'ils me font envie, mais pareil, vous allez comprendre, je vais attendre un peu plus de retour. Parce que le résumé nous dit: le roi dragon est à la recherche d'une épouse. Face à cette annonce, l'agitation gagne toutes les femmes de mon village, sans blague. Le roi enverra sa garde royale pour conduire les femmes en âge de procréer à son palais dans la cité de Jade. La seule condition est que l'épouse ait en elle assez de magie pour engendrer un héritier. Je ne suis qu'une humaine avec une infime trace de magie de dragon. Je suis convaincue de ne pas être retenue. Cependant, étrangement, les détecteurs de magie m'ordonnent de me présenter au roi en tant que prétendante. Et c'est alors que je me préparais à me rendre à la cité de Jade que ma mère m'a confié un secret effroyable. Un secret qui pourrait bien me valoir la mort de la main du roi lui-même. Pareil, c'est hyper intriguant, forcément. Quand il pose des bases comme ça, on a juste envie de savoir ce qui se cache derrière. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ça.
Et c'est une romantaisie. Alors, romantaisie, dragon, fortune, tout ça, vous l'avez. Je pense que clairement, ils le sortent maintenant en français pour aller dans cette vibe. En tout cas, c'est vraiment l'impression qu'ils me donnent. Mais en même temps, c'est pas pour me déplaire parce que clairement, bah, des dragons, des dragons, des dragons. Je dis oui, donc je l'ajoute clairement à ma wishlist. Je pense qu'il y en a 4 de ce que j'ai vu en anglais. Mais donc voilà, là il y a le gnome 1 qui est traduit, vous l'aurez compris. Mais en même temps, comme c'est une romantaisie, je suis toujours un petit peu. Voilà, à prendre avec des pincettes. Je préfère attendre de voir les retours avant de me lancer dedans. Au cas où il y aurait trop de romance pour moi en tout cas. Mais voilà, en tout cas, clairement, je ne l'ai pas vu passer du coup dans les annonces. Je crois que je l'ai vu sur une vidéo bah, de ce même type ici, de littérature witch ou un truc comme ça. Ou l'imaginarium, je sais plus honnêtement. En tout cas, je l'ai découvert dans une vidéo comme ça. Et sinon, je pense que je ne l'aurais pas vu passer tout simplement. Donc, je suis contente de pouvoir le remettre ici pour peut-être bah, vous le faire découvrir à mon tour. Parce que ça peut peut-être vous botter aussi, vu que pareil, les dragons clairement rencontrent leur public. Je pense qu'on est parti sur cette nouvelle vibe-là pendant un petit moment. Et du coup voilà, je suis très intriguée. J'attends de voir les retours forcément. À mon avis, il n'y en aura pas beaucoup si on n'entend pas plus parler que ça, mais bon, je suivrai ça quand même voilà, un petit coin de l'œil. Et pareil, je croise les doigts pour qu'il soit quand même pas mal, parce que sinon ça pourrait bien bien me plaire en fait. Voilà. Le suivant, je l'intègre à cette vidéo. Pas que je. Enfin, je pense pas que je vais le lire un jour. Je suis très 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 intriguée par ce livre, mais je ne sais pas du tout si ça me plairait ou si je détesterais. Donc franchement, à la limite, il faudrait que je teste un jour. Et si je dois tester, je pense que ce sera avec ça. Enfin ça, avec ce livre, pardon. Parce qu'en fait, il s'agit de celui-ci, donc L'ombre d'Adeline, le tome 1, qui a fait un tabac voilà, en anglais. Mais, et c'est pour ça que je veux aussi l'intégrer dans cette vidéo, mais c'est un livre, je pense, de dark romance. Mais alors, vraiment, on est au niveau là-bas, les gars, de la dark, quoi. C'est un des plus durs, plus trash. Il n'arrête pas de remettre chez Roncière des warnings absolument partout. Comme quoi, c'est voilà, c'est réservé à un public averti et adulte surtout. Ils ont fait un travail franchement monstrueux au niveau de cette com. Ils ont sorti les livres avec entourés de fils voilà, plastique transparent pour qu'on ne puisse pas l'ouvrir juste comme ça en rayon si ben, voilà, on a un ado, un enfant, ou, enfin voilà. Donc franchement, pour ça, Roncière a fait un travail monumental. Franchement, sur sa, enfin, même sur Instagram, sur leur com. Ils l'ont répété en boucle, en boucle, en boucle. Ils ont mis sur les jaquettes même des avertissements plus le film. Ils ont fait appel à des spécialistes aussi pour expliquer parce que c'est un livre qui a, ils ont dit, plus de 30 trigger warnings, dont beaucoup pour tout ce qui était violence psychologique et physique. Forcément, vous en doutez, il y a des viols dans le tas, etc. Et ils ont vraiment fait appel à même à des sociologues, etc. pour un peu faire leur communiquer. Voilà, de presse et tout, pour vraiment expliquer de attention dans quoi vous embarquez et surtout ne confondez pas que ben, c'est pas parce qu'on aime lire ce genre de livre qu'on aimerait avoir ça dans la vraie vie. Franchement, je les applaudis à deux mains pour tout le travail qu'ils ont fait. C'était hyper consciencieux et hyper professionnel. Donc, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et franchement, je ne sais pas du tout si j'aimerais ou si je détesterais vraiment, mais en tout cas, on ne peut pas leur reprocher ça. Et c'est la première fois que je vois autant de travail par rapport à ça. Donc je suis très très contente, satisfaite à ce niveau-là. Voilà, parce que c'était vraiment pro et consciencieux comme je viens de le dire. Pour ce qui est du résumé, on nous dit, la manipulatrice, je sais manipuler les émotions, je vous fais pleurer, souffrir, rire et soupirer. Mais mes mots n'ont aucun impact sur lui. Surtout lorsque je le supplie de partir, il est toujours là à m'observer et à attendre. Et je suis incapable de le quitter des yeux, je n'ai qu'une envie, qu'il se rapproche. L'ombre. Je n'avais pas l'intention de tomber amoureux, mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûtée par son sourire, par ses yeux, etc.
Ça ne dit pas beaucoup, mais des retours clairement que j'ai entendus. Visiblement, c'est une femme qui emménage dans une nouvelle maison, manoir ou un truc comme ça. Et il y a un homme qui se tient toujours à l'extérieur de chez elle, qui l'observe un peu à la Joe dans You. Et au début, il va s'infiltrer un peu dans la maison, je sais pas trop comment du coup, mais par des petits trucs, genre il va prendre une tasse de café ou des trucs comme ça. Et bah, après, c'est crescendo, après, il y a une rencontre, une confrontation entre les deux. Et après, c'est vraiment, 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 vraiment crescendo de ce que j'ai entendu. Donc voilà, je ne sais pas en dire plus. Je ne doute pas que vous trouverez facilement énormément d'infos par rapport à ça. Étant donné que je vous dis, il a fait un carton monstrueux. Les gens l'attendaient en français. Ils attendaient de savoir chez qui. Voilà, ça allait être traduit. Et je vous dis, pour le coup, je suis très contente que ce soit Rancière qui l'ait en l'occurrence. Donc voilà, donc je suis sûre, il va faire un tabac, ce genre-là de dark romance est en train pareil d'exploser en France de plus en plus. Et je ne sais plus à combien de tomes, là il marquait tome 1, mais franchement pour ma tête c'est bien plus que 3, je dirais bien 5 ou un truc comme ça, mais pareil, peut-être que je dis complètement des bêtises. Mais voilà, en tout cas, vous le voyez passer ici, je ne vais pas l'ajouter en tout cas à ma wishlist, à ma pile à lire. Mais je vais suivre ça d'un œil par curiosité et je ne doute pas que vous le verrez passer de votre côté aussi un moment ou un autre, pour, du côté positif ou négatif, voilà, soit. Mais voilà, en tout cas, il est sorti ici le 7 mars et puis on verra. Hein. Le 13 mars est sorti ce livre-ci, donc La promesse du dragon d'Elisabeth Lim. C'est un tome 2, je n'ai pas lu le 1, je n'étais pas intéressée, mais je vous le mets parce que pareil, le 1 a remporté son petit succès et qu'il s'agit d'une duologie, ce qui est assez rare, donc voilà. Je ne vais pas vous lire le résumé de ce tome en particulier. J'ai pris aussi sous la main le résumé du tome 1 qui était Les six couronnes écarlates. Et je vais plutôt vous relire cela parce que sinon je n'ai aucune idée de quoi ça parle et de toute façon j'ai pas envie de vous spoiler, surtout pour une duologie. Donc il nous disait « Une magie ancestrale et interdite coule dans les veines de Shiori, la plus jeune des 7 enfants de l'empereur de Kyata. Lorsqu'elle découvre que sa belle-mère, Reikama, la reine sans nom, possède sa propre magie noire, cette dernière lui lance un sortilège, elle transforme ses 6 frères en grues et l'avertit pour que chaque mot qu'elle prononcera, l'un de ses frères mourra. » Exilée et sans voix, Shiori va devoir se battre pour briser le sort et sauver son royaume d'une terrible conspiration. Pour cela, elle pourrait peut-être compter sur le mystérieux garçon à qui elle a été fiancée et qu'elle a rejeté sans même le rencontrer. Bon, j'avoue quand même, le pitch était un peu intriguant aussi. Il me semble de mémoire que c'est une réécriture de conte, je sais plus si c'est asiatique ou pas. Je sais plus même plus si c'était du fantasy ou du fantastique, honnêtement. Je vous présente très très mal les livres. Je me renseigne jamais assez, je me rends toujours compte quand je commence à filmer. Ici, mettre fantasy. Fantasy, bah forcément à nouveau, il y a des dragons, ils le mettent en très grand. Il y a de la magie qui serait liée à tout ça aussi, vous en doutez. Et je n'ai pas beaucoup plus d'infos. Je me demande si la question du... Comme c'est un peu asiatique, la question du mariage arrangé, mariage forcé ou quoi, va être soulevée dedans aussi, vu que dans le tome 1, on parle de son ex fiancé promis. Et clairement, sur cette couverture, on le voit de toute façon qu'il va avoir une histoire de dragon. Donc ouais, on est vraiment dans un côté très très asiat. Et je vous avoue, moi, simplement pour cette partie-là, que j'ai pas été bottée plus que ça, je sais pas, j'avais pas envie de me plonger dans ce type de décor, d'univers ou quoi, jusqu'à maintenant en tout cas. Pour le côté asiatique, je me tourne plus vers des mangas, honnêtement, ou des animés. Mais voilà, le côté roman asiatique, c'est pas ce qui me botte moi le plus, mais peut-être que ça peut vous intéresser. Le tome A avait assez bien marché, donc voilà, je le mets en tout cas pour vous, parce que peut-être que vous l'attendiez et que votre biologie sera bientôt terminée, tout simplement. Le 13 mars est sorti celui-ci, donc Les 7 saints sans visage, le tome 1, publié chez Deux Axes, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est chez eux que je l'avais vu passer.
Donc vous le savez maintenant, hein, quand c'est publié chez Xuxus, pareil, même s'il m'intéresse, j'attends un petit peu, sauf pour les auteurs où vraiment je suis sûre et certaine de mon coup, c'est-à-dire J. Christophe ou des trucs comme ça. Pareil, la thématique m'a quand même pas mal interpellée, honnêtement, je sais pas, je m'attendais pas à le trouver dans du young adulte ou quoi. Et le résumé nous disait: les saints sont miséricordieux, toutes les histoires en témoignent, mais elles racontent aussi qu'ils sont soif de sang. Dans la ville d'Ombrasia, les disciples bénis par les saints vivent dans l'opulence, tandis que les défavorisés dépourvus de magie vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Rose, pourtant bénie par patience, refuse cette injustice. Emplie de haine depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu. Tout juste nommée chef de la sécurité au Palazzo par son père, Damiane est censée être impitoyable et servir les saints avec une dévotion indéfectible. Mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans la guerre sans fin. Il doit faire ses preuves afin de prouver sa valeur. Lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés, Damiane et Rose sont forcées de faire équipe pour démasquer le meurtrier. Pourront-ils sauver la vie d'un mâle qui menace de tout détruire sur son passage, alors que les saints eux-mêmes se mettent à trembler? Et on rajoute: M.K. Loeb a créé un univers atmosphérique mélangeant les genres de la fantasy, de la romance et du roman policier pour créer une histoire épique qui happe complètement le lecteur. Voilà. À nouveau, bah voilà, c'est traduit par Deuxaxus, c'est-à-dire qu'il a bien marché à l'étranger avant qu'il le reprenne, hein, pas de surprise de ce côté-là. Donc ça doit être normalement un bon livre. Vous sentez que je suis semi-emballée, honnêtement. Je suis emballée par l'histoire, je ne suis pas emballée par eux, mais voilà, j'attends nettement plus de recul. C'est pas que je suis pas emballée, c'est que je reste prudente. Parce que bah, ce mélange ouais, enfin, de romantaisie, de policiers, etc., d'enquête ou quoi, me botte assez bien de prime abord. Je trouve qu'il, enfin, de l'extérieur, il donne un petit côté, je sais pas, Da Vinci Code, je sais pas pourquoi je l'associe à ça. C'est peut-être l'enquête dans la vie, enfin dans la vie, je sais pas, ou le côté un peu religieux peut-être aussi, qu'on trouve pas forcément tout le temps dans la littérature young adulte non plus. Mais voilà, je l'ai ajouté à ma wishlist, j'attends de voir pour la suite. En tout cas, je sais qu'en anglais, il avait de bons retours, donc pareil, ben, je croise les doigts comme plusieurs d'ici, et puis on verra ce que ça dit, parce qu'il peut être assez prometteur, ma foi, donc voilà. Voilà. L'avant-dernier livre, pareil, je ne l'ajoute pas à ma wishlist, vous allez vite le voir. Il s'agit de celui-ci, donc c'est le troisième Morgane Moncombe, enfin le troisième des saisons de Morgane Moncombe, qui s'appelle Un printemps pour te succomber, et rien que le titre, moi je ne peux pas, je fais pas. Voilà. C'est clairement pas mon truc, c'est de la romance. Mais les deux premiers, du coup, de l'automne et de l'hiver, ont été clairement pareil, encensés. Donc je vous le remets pour vous, parce que je suis généreuse. Je suis gentille. Parce qu'il peut vous intéresser. Et le résumé de celui-ci, on le sait, c'est des nouveaux personnages à chaque fois. Et ici, ils nous disent: fleuriste fauchée, Nolia se tourne vers son ultime espoir pour s'en sortir, sa famille. Elle ne pensait cependant pas que le prix à payer pour son aide serait de se marier avec son ex. Face à l'adversité, incapable de retourner vers son passé toxique, elle décide de s'allier à un inconnu dans le plus grand mensonge de sa vie. L'heureux élu, c'est lui, Camille Levasque, fondateur d'une application d'escorting, son faux fiancé. Milliardaire à la réputation de Playboy, Cam occupe régulièrement les unes de la presse à scandale, au point d'entacher la réputation de son entreprise et de risquer de tout perdre. Pour redorer son blason, s'afficher comme un homme prêt à s'engager pourrait s'avérer payant. La perle rare pour ça, c'est elle, Magnolia Kumar, mère célibataire et féministe, qui accepte de devenir sa future femme, du moins en apparence. S'il se promet de ne jamais tomber amoureux, le fil rouge du destin pourrait finir par les rattraper. J'ai vraiment du mal. Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui adorent, qui les attendent, etc. Mais voilà, vous le voyez, je ne mens pas, je ne sais pas le cacher. C'est clairement pas pour moi, vraiment, vraiment, vraiment pas. Enfin, je trouve qu'il y a trop de trucs qui ne vont pas.
Déjà, le fait qu'elle s'appelle Magnolia. Je sais pas. Fleuriste, Magnolia. Franchement, j'ai l'impression de revoir... c'était pas chez mon compte, c'était... Ah, j'ai oublié son nom maintenant. Go. Chez Colleen Hoover. Pareil, quoi, qui s'appelle Lily. Elle est fleuriste. Hein. Lily Bloom fleuriste. Bref, on va arrêter ces parenthèses. Moi, j'ai du mal avec tout ça. Clairement, les faux fiancés, les faux machins, c'est pas mon truc non plus. Mais... si je vous en parle aujourd'hui, c'est voilà, pas pour donner cet avis-là forcément et juste cracher mon venin sur un truc que je ne connais pas, vu que je n'ai jamais lu de Morgane Moncomble. Mais voilà, je sais que lui, clairement, je ne le lirai jamais. Mais je suis sûre qu'il y en a certains d'entre vous qui l'attendent. Et bah, grand-mère ou fasse, du coup, chacun dit ce qu'il veut de toute façon. Et voilà, donc c'est le tome 3 de ces saisons. On terminera forcément par l'été. Jusque-là, je ne vous apprends rien. Et voilà, en tout cas, je lui souhaite qu'il remporte un aussi beau succès que ses tomes précédents, parce que pour le coup, elle a vraiment réussi bah voilà, son défi bah, de chaque saison jusqu'à présent. Et j'espère que celui-ci ravira bah, autant voilà, ses lecteurs que pour les autres livres. En tout cas, je croise les doigts pour vous. Et puis voilà. On en arrive déjà au dernier livre et bah à nouveau celui-ci en fait je l'ai mis pour vous et pas pour moi. Il s'agit de celui-ci, donc La Carte des Confins, le tome 3. Alors en sachant qu'il y avait eu un hors-série qui était sorti aussi entre deux, mais donc là c'est bien le tome 3 de La Carte des Confins même. Qui écrit du coup Marie Replin, donc vous le savez, Muffin and Books, j'imagine bien que vous la suivez aussi. Je la suis moi-même en tout cas. Et je n'ai pas pris le résumé du tome 1, donc en fait on va refaire ça hop, de suite, parce que j'ai pas envie de vous spoiler en fait, tout simplement. Hop, c'est celui-ci. Et voilà. Et donc le tome 1 nous disait « Et si le plus terrible des pirates était une femme ? Cali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. » L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau de pirates le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Cali de l'aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la voleuse vont peu à peu se dévoiler et s'apprivoiser. Mais le lourd secret que cache Cali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la carte et bouleverser à jamais leur existence. Je vous avoue que je ne suis pas emballée parce que je dis souvent que j'aime les pirates. Mais j'ai pas du tout suivi cette saga-là. Tout simplement parce que moi, ce livre-là, je l'avais découvert sur Wattpad à l'époque. Ça doit remonter plus ou moins au temps du confinement, 2019-2020, un truc comme ça. Et enfin bref, je l'avais lu, j'avais pas accroché plus que ça parce que pour moi c'était pareil, bah, trop romancé entre bah, Cali et Blake. Donc voilà, j'ai pas suivi tout simplement pour cette raison-là. Mais clairement pareil, elle a trouvé son public et donc ça c'est vraiment, enfin, vraiment top, je suis contente pour elle. Ici elle en est au tome 3 et même au tome 4 si on prend leur série, donc franchement c'est que ça marche bien chez Pekaji. Je ne sais plus si je dis, je ne pense pas que ce tome 3 du coup sort le 28 mars. Donc voilà, de ce que j'ai entendu il s'agirait bah, d'un nouveau personnage central et je pense que ce serait un des enfants, leur enfant, un truc comme ça, qui prendrait la place au niveau du personnage. En tout cas, que ce serait vraiment centré autour de ce personnage-là. Donc voilà, peut-être que je dis des bêtises, mais je vous avoue, voilà, on est au tome 3, je me serais au tome 1, enfin... Et encore, au tome 1, avant qu'il y ait des modifications et qu'il apparaisse ben, en bouquin. Mais voilà, je suis sûre aussi qu'il va remporter ben, forcément le même succès que le tome 1, que le tome 2 et que ben, du coup leur série. Et du coup voilà, c'est tout ce que je lui souhaite parce que bah, clairement Marie elle est à fond dedans et ça fait clairement plaisir à voir. Du coup je pense que là elle a annoncé que c'était vraiment le dernier tome,
peut-être encore d'autres hors-série, mais vraiment que là, c'était la fin de la saga. Il me semble toujours, donc toujours à prendre avec des pincettes, des guillemets. Mais voilà, ça c'est le plan. Et c'est le dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter dessus. Pour les intéressés, sachez juste donc qu'il sort le 28. Et puis voilà, moi je vais vous retrouver pour une prochaine vidéo tout simplement. J'espère que certains de ces livres vous ont intéressé, que vous en avez peut-être découvert comme moi ça a été le cas en faisant mes petites recherches, en regardant un petit peu les vidéos des autres aussi, etc. Mais j'espère que cette sélection que j'ai pu vous proposer ce mois-ci aura titillé un minimum votre curiosité, que vous serez un petit peu excité en vous disant j'attends ce livre-là, ah celui-là il a l'air trop chouette, etc. Comme ça a été pour mon cas. Et puis pour le petit emoji habituel, on va mettre. J'ai pensé au petit sou qui s'envole, mais je trouve qu'il n'y a pas tant de gros trucs ou de grosses sorties ce mois-ci. Donc on va remettre simplement un petit livre. Voilà, c'est le printemps, mettez un peu de couleur, un peu de livre jaune, un peu de livre vert ou quoi, pour faire un peu plus nature ou ce que vous voulez, mais un petit livre en commentaire si vous ne savez pas comment réagir à cette vidéo et vous en avez envie. Et si pas, si vous savez, forcément, je vous attends dans les commentaires comme d'habitude. Et j'ai hâte d'échanger avec vous sur l'un ou l'autre livre. N'hésitez pas non plus à me rectifier si parfois je dis des bêtises. J'ai aucun souci avec ça. Et voilà, et je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine vidéo, tout simplement. Portez-vous bien!